Ahoj Karle, fotografe, filmaři. Pour son magnifique exposition L'œil du temps. Et je suis vraiment très très content de pouvoir co-organiser cette exposition. J'aimerais bien aussi vous présenter Marketa Teinhardt, qui est l'auteur du texte du catalogue que nous avons pu éditer grâce au soutien de M. Pouillier et M. Dobrowski. Le catalogue est disponible ici et au rez-de-chaussée, et aussi M. Soboda, qui a également contribué à l'organisation de cette exposition. Comme je n'aime pas beaucoup parler trop longtemps, je vais être très très court et je vais passer la parole à qui ? À Marketa ou à Miroslav ? À Marketa, voilà. Ladies first. Marketa qui est... historienne de l'art et qui enseigne à la Sorbonne, si je ne me trompe pas, et avec qui nous avons le plaisir de travailler depuis de longues années. Et nous sommes donc très très heureux qu'elle a pu écrire, trouver le temps d'écrire le texte. Autrement, elle est très très spécialisée dans un grand peintre tchèque que vous connaissez sûrement, qui s'appelait Kupka. Voilà. Kupka peut-être. Voilà.
qui est à toi. Merci beaucoup pour Michael. Alors, j'ai fait connaissance de Miroslav Mouka il y a peut-être quelques mois seulement. Mais je dois dire que j'ai découvert un peintre. J'ai découvert un grand peintre contemporain. Et je suis très émue aujourd'hui de cette exposition, de pouvoir présenter son œuvre des dernières, je dirais, 10 ans à peu près. Voilà ce que je voulais dire, et je voudrais aussi remercier aux sponsors de cette exposition, M. Dobrovski et M. ici présent, M. Poulier, M. Svoboda, qui a participé à l'installation de cet accrochage de cette exposition. Et voilà, je ne sais rien dire d'autre que regarder. C'est une œuvre contemporaine, mais éternelle à la fois. Hein. Une œuvre d'un grand artiste, un peintre tchéco-français. Il s'appelle, pas Mucha, mais il s'appelle Miroslav Moucha. Et ça s'approche. Moucha, voilà. Bon. Mais peut-être je l'approcherai pour la couleur à l'autre peintre qui me tient au cœur, et c'est donc plutôt Franciszek. Alors c'est vraiment trop ce que je dis, peut-être il n'aime pas ça, mais en tout cas bravo pour cette œuvre, et j'espère que ça va continuer. Cette année il a quelques 200 ans, hein. Parce que j'ai fait une faute dans le catalogue, j'ai écrit que, parce que je suis 19e de profession, bien sûr, j'ai écrit à 1878, il a peint. Voilà. Donc, vous voyez un vieux maître devant vous, maître vivant. Alors, voilà. Félicitations. Oui, je vais parler avec un accent de 19e siècle. Alors, comme tout le monde parle, moi j'ai peint. Je crois que c'est très gentil que vous êtes venu et que vous êtes content. Et moi je vais. Voilà. Merci. Voilà, l'exposition est ouverte, le catalogue est disponible, et le buffet qui a été fait par le fils de Mocha. Grande première et bravo pour le buffet. Allez, servez-vous.